Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce vendredi 15 septembre. Donc je me suis acheté un plateau en verre parce que quand je fais de la peinture ou autre, ça salit vite le tapis de découpe, vous savez l'hiver là. Donc il doit faire 30. Il fait à peu près 60 cm comme ça sur, il doit faire du 30 sur du à peu près 35-36 pour 23 euros. Je l'ai acheté sur Craftelier, je l'ai reçu ce matin. J'ai reçu encore une commande Temu. Donc je vais l'ouvrir avec vous. Là, je pense que ce sera ma dernière parce qu'il faut que j'arrête de commander sur Temu. Certes, c'est pas cher, mais bon, après, il faut stocker, ranger. Et maintenant, ils ont changé leur emballage. C'est de l'emballage blanc. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Ils ont peut-être marre de se faire de la pub. Hein. Allez savoir. Alors ça, ça n'a rien à voir. Ça non plus. Ça non plus. Donc, voilà ce que j'ai racheté. J'ai racheté un seau pour les cachets de cire. Mais figurez-vous que je ne le retrouve plus. C'est dommage parce que j'aurais bien voulu essayer d'où le faire. Mais je ne sais pas où je l'ai rangé. Et ça m'inquiète parce que je ne sais pas du tout où c'est que je l'ai rangé. J'ai bouffouillé partout. Je n'arrive pas à le retrouver. Et ça m'inquiète parce que je voulais m'en servir hier et malheureusement, je n'ai pas réussi à remettre la main dessus. Alors, comme quoi, vous voyez, des fois, on range tellement bien que je n'arrive plus à retrouver mes affaires. Et je ne sais pas du tout ce que j'en ai fait. Alors, je vais retrouver dans mon bazar. Ce n'est pas là-dedans. Ce n'est pas là-dedans aussi. Ben non. Je ne sais pas du tout ce que j'en ai fait. Ben, j'aimerais bien que vous me le... Ne vous inquiétez pas, je suis là. Je ne peux pas oublier. Non, j'arrive pas du tout à remettre la main dessus. Et pour ce que j'en ai fait, mystère et boule de gomme. À moins que ça soit rangé pas là-dedans. Ah, bingo! J'ai retrouvé mon petit machin. Donc, je vais essayer de vous montrer ce que ça donne. Exactement. On va peut-être allumer la petite bougie. Voilà. On va sortir le petit truc là. Et on va mettre le petit seau. Et on va mettre la petite cuillère. Et je vais réutiliser ce que j'avais fait la dernière fois. Je vais leur faire fondre. Peut-être faire refondre le violet comme il n'avait pas marché. Je pense qu'il faut les redécouper. Non. Ça va au ciseau.
ça recoupe bien. Bon, encore 2 jours de vacances. Et après, ben, je reprends le boulot. 15 jours, ça passe vite. Mais bon, ça m'a permis d'avancer dans ce que je voulais faire. J'ai fait du rangement, j'ai fait du scrap. Je suis allée au sport. Hop là. Alors, ça tient plus, ça. On va attendre que ça fonde. Ça, c'est bon. Et voilà. Donc, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très, très bien. Surtout quand je reçois mes commandes Temu. Mais là, comme je vous dis, il faut vraiment que j'arrête parce que... Après, comme je vous disais, après, il faut stocker, ranger. Et moi, je n'ai pas tellement de place. Comme je suis dans la chambre de ma petite fille, donc j'ai fait coin chambre et coin bureau. Voilà. Bon, on va attendre que ça fonde. Sans tout renverser, bien sûr. Et ça, c'est très pratique, le petit plateau en verre. J'espère qu'à l'usure, quand on coupe dessus, ça ne marque pas trop. Parce que les tapis verts de découpe, si on insiste trop avec le cutter, et ben après, ça coupe, quoi. Bon, alors ça fond, ça fond pas. On va voir ce que ça donne. Parce que j'avais acheté celui-ci en même temps que le kit. Mais je me suis aperçue que celui-là, il rentrait pas dans le cœur. J'aurais peut-être dû prendre le rond, mais celui-là, il rentre. Mais pour faire le cœur, j'en avais mis combien l'autre fois? J'en avais mis 5, mais ça n'allait pas. Je pense qu'il faut en mettre peut-être 6 ou 7. Mais ça fait quand même beaucoup de petits trucs de cire là. Bon, c'est bon, ça commence à fondre. Là, je vais pas faire le cœur parce que j'ai réutilisé un truc que j'avais fait la dernière fois. Voilà, ça devrait plus tarder. On va touiller un petit coup. Voilà, c'est bon. Ça a fondu. Alors, on va essayer de mettre ça là-dessus. Hop. Et on va essayer. On va éteindre. Moi, les tapis en verre, ça se nettoie très très bien. Donc, on va voir ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Alors, je sais pas si on voit bien. Voilà. Ça donne un petit chat. Il est... Là, on voit les petites lunes, là. Au-dessus. Voilà. Il doit être assis à une fenêtre en train de regarder dehors. Voilà ce que ça donne pour ça. Hop, hop. Bon. J'ai racheté des gommettes. Ça n'a rien à voir avec le scrap, mais ma petite fille adore coller les gommettes. Donc, je lui dis, je vais lui en acheter. Alors, j'ai trouvé des Pink Crystal Butterfly. C'est des petits papillons. Je les ai trouvés vachement beaux quand j'ai regardé.
En plus, ça fait une belle étiquette pour faire du. Il y en a que je vois qui font du art journal ou du. Comment ça s'appelle? Du vintage ou. Mince, comment ça s'appelle? Ben, je sais plus. Donc, on a différents papillons. Des papillons un peu. Faudrait une feuille blanche. Je sais pas si on voit bien. Un peu holographique, un peu brillant. On a un tout petit. On a un comme ça. Un comme ça. Je pense que ça doit être les. Voilà ce que ça donne les beaux petits papillons à effet. Voilà. Donc je vais vous dire combien ils m'ont coûté les papillons. Alors les papillons. Les papillons, les papillons. Alors je vais vous dire ça tout de suite. Ne partez pas. Alors, normalement, ma commande, je l'attendais entre le 14 et le 27 septembre. Et on est le 15, je l'ai reçue. Donc, c'est parfait, parfait, parfait. Donc, les papillons roses, ils étaient à 1,57 €. Donc, vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Vous avez 20 papillons pour 1,57 €. Ils appellent ça du cristal PET stéréo laser doré, autocollant. Voilà pour ces petits papillons. Le petit seau, il est à combien le petit seau? Alors, le petit seau, comme ceci, il était à 0,98. Le petit chat, 0,98. Et les papillons, ils étaient à 1,57 € les 20. Donc, je pense que ça va être un peu encore galère à décoller, mais bon. Alors ça fait du 50 mm par 70 mm. En dessous c'est marqué, ah c'est les petits. Les grands ils font 95 mm par 175 mm. Et ben vous avez le modèle là dans le paquet. Voilà pour ça. J'ai repris également ben, les mêmes papillons, mais en bleu. Et nous avons ceci dans le paquet. Donc là, c'est pareil, il doit en avoir 20. Et moi, je les trouve très, très beaux, les papillons. Alors, je vais essayer de vous les montrer. Je pense que celui-là, on l'a pas. Hop, hop. Ah, si je vous mets à l'envers, vous n'allez pas bien voir. Voilà, ces beaux papillons. Toujours pareil, effet holographique. Et toujours pareil, vous en avez 20 dans le paquet. Donc, je vais les ranger. Et voilà. Alors j'ai repris également
Alors, ça, c'était. C'était. Ah non, les papillons bleus, ils étaient à 1,12 €. Ils étaient moins chers que les papillons roses. Là, c'est pareil, c'est 20 pièces par paquet. 1,12 € et les roses, 1,57 €. Voilà. Je vous mettrai les liens dans la barre de description. Alors, j'ai acheté aussi... comment ça s'appelle, ça? Alors, ça s'appelle... Oh, 40 packs transparents Peppo fleurs fées autocollants en vrac pour du vintage. Alors, ça s'ouvre comment, ça? Alors là, j'ai pris des petites roses avec des petites fées. Alors, je vais essayer de vous les montrer. Hop, sur une feuille de papier blanc. Alors, on a une rose comme ça, un truc comme ça, une petite fée. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une rose comme ça, une petite fée. Voilà. Maintenant, c'est la même, celle-ci. On a la petite rose comme ça. On a la fée là. On a la rose là. On a une grosse rose comme ceci. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? On a celle-ci aussi. Voilà. Celle-là, on l'a mise. Et on a avec... On a la toute petite comme ça. Et on a avec des petits... des petits autocollants en forme de... comment qu'on appelle ça? Vous savez, comme les boules de Noël qu'on retourne, qu'il y a la neige dedans, là. Voilà. On a celui-ci. On a le petit, là, comme ça. On a celui-ci. On a celui-ci avec le petit ruban. Et on a celui-là tout simple. On a celui-là. Celui-ci. On a une petite forme arrondie comme ça. Un petit rond. C'est pas tous les mêmes. Voilà. Et voilà, je pense ça doit faire un style. On va faire un essai. Vous mettez la petite fée. Vous mettez une petite rose. Je sais pas comment derrière, moi. Alors, attendez voir que je regarde comment c'est. Ah oui, d'accord. Donc, ce qui fait, vous mettez des petites roses comme ceci. Hop. Vous mettez une rose comme ceci. On va mettre un truc comme ça là. Hop. Vous mettez une petite fée au milieu et ça vous donne. Alors, je vais essayer de vous montrer sans faire bouger ma page. Ça vous donne ceci pour décorer vos pages d'album, ou pourquoi pas mettre sur une petite carte. Voilà pour celui-là. Hop, donc je rangerai tout après. Donc je vais vous dire le prix. Ça c'était 2,27 €. Donc dedans vous avez 40 pièces. Alors 40 pièces. J'ai repris également le même mais en pivoine. C'était de la pivoine.
Alors, vous avez plusieurs sortes. Vous avez des roses, la pivoine. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Toujours pareil avec des petites fées. Ça, non, là déjà. Hop, que j'en perde pas. On a une petite là. On a une petite fée. Là, une autre pivoine. Une autre pivoine. Là, encore une petite pivoine. Là, on a une petite fée comme ceci. Celle-là, je l'ai déjà mise. Là, on a les trois pivoines ensemble. Encore une petite fée. Ou une petite elfe, hein, comme vous voulez. Hop. Celle-là, je ne l'ai pas mise. Celle-là, je ne l'ai pas mise. Et celle-là, elle y est. Et celle-là, elle y est. Voilà ce qu'on a dans le pack des pivoines. Donc, c'est le même principe que... Là, on a une petite bouteille qui ressemble à du parfum. Là, pareil. Là, une forme. Bah, ça ressemble tous à des bouteilles de parfum, je crois. Voilà, comme ceci. Comme ceci, une petite ronde, là une grosse carrée, voilà, mais ça ressemble à des petites bouteilles de parfum, quoi. Et comme ceci, donc le même principe que tout à l'heure, vous mettez, alors je vais essayer de faire au pif comme ça, hein, avec, hop, c'est à l'arrache que je fais. Une petite fée comme ceci. Et vous mettez votre bouteille. Ouais, moi. Et ça vous donne. Ça vous donne ceci. Alors, je ne sais pas si ça va le prendre. Voilà. Hop, donc celui-là, il était à, bah pareil, 2,27. Alors, j'ai repris également des petits stickers, si j'arrive à ouvrir le bidule. Donc, c'est un peu du vintage. Donc, on a un petit oiseau, des petites clés, ceci, encore un oiseau, une clé, une petite horloge, je vais essayer tous, je vous les mettre sur la feuille blanche pour que vous voyez bien. Apparemment, c'est pas tous les mêmes. Encore une petite plume par ici, une petite clé par là. On a un papillon, une feuille. Hop. Mais là, qu'est-ce qu'on a là? Je sais pas ce que c'est ça. Voilà tout ce qu'on a dans le pack vintage. Voilà. Donc ça, c'était. Alors, il y a 21 pièces oiseaux à 1,29. 1,29 les 21 pièces. Donc, je vais ranger tout ça dans son emballage. En plus, ils sont pas trop fins.
que d'habitude on achète des fois des stickers. Les stickers ils sont tout fins et puis là apparemment c'est sur du papier photo. Ouais, ils ont dû imprimer ça sur du papier photo pour lui donner peut-être un aspect brillant. Voilà pour ceci. Alors j'ai acheté aussi. Alors ça c'est quoi ça? Tac 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 que je retrouve. Tac 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 tac. Alors c'est. Alors c'est deux pièces, pâte de peinture, stylo de colorisation. C'est pour. Si j'arrive à trouver l'ouverture. Non. Ah si, c'est là. C'est pour quand vous faites vos sauts. Je pense que ça doit être ça. Alors les deux stylos, ben ça tombe bien, j'en ai un là. Je pense que ça doit être un peu, vous savez, pour les. Ah oui. Quand on veut les leur donner un effet. Un effet brillant pour ressortir un peu le. Un peu le relief. Moi, je le fais un petit peu à l'arrache pour vous montrer. Donc, voilà ce que ça donne une fois qu'on applique notre stylo. Je vais essayer avec le doré, voir ce que ça donne. Le doré se voit un peu moins que le. Non, le. Le gris brillant se voit moins que le. Je sais pas si on va le voir là. Si on le voit un petit peu. Donc ces deux stylos. Ils m'ont coûté 2,48€ les deux. Donc voilà pour ces stylos. J'ai acheté aussi. Alors ça, je sais pas ce que c'est, ça. Ah oui, c'est des marqueurs. Des marqueurs blancs. Vous savez, quand vous faites avec des pochoirs en fausse dentelle, là, vous savez, là. Pour faire les petits points. Les petits points de couture. Donc, je vais essayer sur une petite feuille. Ah oui. Donc, je pense que c'est les trois mêmes. Ah non, ça c'est du 0,8 mm. Et ça. Celui-ci c'est du. Ah bah c'est du 0,8 aussi. Ah, bah c'est tout du 0,8. Voilà ce que ça donne. Les trois stylos, ils appellent ça des trois marqueurs et surligneurs. Marqueur blanc, stylo à encre gel pour les beaux-arts. Donc les trois stylos là, 1,97 les trois. Alors ensuite, ben j'ai pris un truc comme ça. Alors ça, c'était. Que je retrouve, c'est par là. Alors, c'est un stylo à pointillé, crayon pour cire, pour ramasser les strass. Alors, bien évidemment, il y a du scotch. Je n'arrive pas à ouvrir. On va faire comme ceci.
plus c'est très bien, il est dans sa petite boîte. Je le fous comme ça. De l'autre côté. Ah ben non, ça ne veut pas s'ouvrir. Alors qu'est-ce que c'est de cette histoire? Ah, je suis une andouille. Alors normalement, ça, c'est fait pour attraper les petits strass. Donc, je vais essayer de voir si ça fonctionne. Parce que si ça fonctionne pas, ça serait quand même dommage. Alors, si j'arrive à retrouver mes petits machins, bien entendu. Il y en a là, des petites perles. Des petites gouttes d'eau. On va voir ce que ça donne, voir si ça marche vraiment, si on, on arrive bien à les attraper. Parce que moi, je me suis fait un truc comme ceci avec de la pâte à fixe. Vous savez, c'est les stylos qu'on emploie pour faire les diamants pinting, là, je sais pas quoi. Là. Donc, on va voir si ça marche. Ah oui, ça a l'air de... Ouais, ça a l'air de fonctionner. Et puis ça, je sais pas trop à quoi que ça sert. Non. En tout cas, l'embout, il fonctionne. Et ça se dévisse. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Et l'embout là, mais je sais pas à quoi que ça sert. Hein. Peut-être en mettant une petite pointe de pâte à fixe. Mais en tout cas, ça attrape bien les petits strass. Donc je vais ranger mes petits strass. Hop. Voilà, comme ceci. Et ça, ce qui est bien, c'est qu'on peut ranger. Il n'y avait pas un deuxième capuchon là. Non, c'est pour ranger ça, je pense. Et on peut le remettre dans sa boîte pour éviter de le casser. Voilà, comme ceci. Hop. Et voilà. Donc le stylo là, il est revenu à... Alors je vais fermer ça. Hein? 79. Ensuite, donc ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Donc, eh ben, j'ai repris encore des tampons, mais je n'ai pas acheté de matrice cette fois-ci. Donc, on a une petite théière, une petite tasse, une petite fleur. Donc, je vais essayer de vous faire un modèle. Donc le petit tampon là, 2,98 €. Donc je vais essayer de vous faire un petit tamponnage. Hop, je vais sortir ça. Je vais essayer de mettre. Ben, on va couper une feuille, hein, tant pis. Hein. Alors ça, ça fait ça. On va essayer de la recouper comme ceci. Hop, pourquoi j'ai sorti ça? Je vais peut-être pas faire comme ça, je ne peux pas prendre ça. Je vais le faire directement avec la petite planche. Pour voir ce que ça donne. Bien sûr, ils font toujours des tampons avec des mots, des phrases en anglais. Moi et l'anglais, ça fait deux. Hop. Et on va essayer de tamponner. Alors, je vais prendre mon petit machin là pour aplatir un peu.
il est un peu trop parce que je l'ai fait à l'arrache. Mais il ne faut pas le dire. Chut. Voilà ce que ça donne. Bon, je pense que ça a un joyeux anniversaire à toi. Je marque dans le traducteur pour voir ce que ça dit comme... Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors, mon nettoyant tampon. Hop là. Si je vous fais bouger, ça ne va pas le faire. Hop, on est tout de suite. Et on remet la protection. Et ben comme ça, je vais me servir un modèle pour faire mes petits emballages. Qu'est-ce que j'avais pris d'autre? Ben, comme ça va être les moments de Noël, enfin, qui est encore pas maintenant, mais bon, ça arrivera vite, vous savez. Hein. Alors, j'ai pris une petite planche de petit bonhomme. Un petit bonhomme de neige. Alors, je vais vous tamponner. Donc, les bonhommes de neige. Alors, oui. Elle est... Qu'est-ce que j'en ai fait? Alors. Oui, ça, je vous ai dit combien. 2,98€ la plaque de tampon avec la petite théière et sa petite tasse. Les bonhommes de neige, ils étaient à 1,98€. Donc, je vais couper le morceau là. Hop, et je vais venir les tamponner. Bon, soit vous pouvez les coloriser avec les encres à alcool ou de l'aquarelle. Moi, j'arrive pas encore trop à maîtriser les encres à alcool. Il faudrait pour ça que je me rentre. Que je me réentraîne. On va voir ce que ça donne. Ils sont très rigolos. Hein. Donc ceux-là, ils étaient à 1,98€, les petits bonhommes. Le petit bonhomme de neige. Hop, ma protection est où? J'ai perdu ma protection. Bon, bah, c'est pas grave, je la retrouverai après. Ah, voilà. Et là, c'est ma dernière plaque de tampon. Après, il faut que je range tout. Alors là, c'est un tampon musique. Eh oui. Alors, je vous donne sortir une autre feuille. Donc, on a des petites notes. Bien sûr, encore des phrases en anglais. On a le petit violon. Donc, la plaque-là, elle était à... Elle était elle était pas chère. 89 centimes la plaque. Donc c'est vrai que des fois ça vaut le coup parce que il y a des fois des plaques de tampon qui ne sont vraiment pas très très chères. Pour celles qui aiment faire des cartes avec des notes de musique, et ben là, si vous achetez cette plaque de tampon, vous serez servi. On va essayer de bien tamponner. Comme ceci. Hop. Voilà. Et je vais mettre ça sur mon bout de feuille que je redécouperai par la suite. Alors, si je vous la mets à l'envers, ça ne va pas le faire. On va essayer de la mettre comme ceci.
là, est-ce que ça nous donne une fois tamponné? Bon, j'ai pas fait correctement parce que comme je me suis pas servi de la planche à tamponnage, voilà ce que ça donne. Donc je vais nettoyer tout de suite. Et je vais remettre ma petite plaque. Voilà. Donc, je vais vous mettre les liens vers ces articles. J'espère que mon petit haul vous aura plu. Et puis, je vous dis peut-être à plus tard pour une vidéo. Allez, en attendant, je vous souhaite un très bon appétit. Et je vous fais de gros bisous. Bye bye.